Merci beaucoup, Ziguinchor. Chor. Mais j'entends absolument rien. Eh, vous là, vous n'avez rien dit. Je vous entends quoi? Je vous entends pas, vous là. Plus fort, plus fort. Je vais vous dire que vous m'avez rendu aujourd'hui encore plus fier d'être Casamancé, d'être Ziguinchorois. Vous avez relevé le défi. Vous avez relevé le défi parce que ce qu'on a en face de nous, c'était juré qu'ils allaient aujourd'hui faire de cette journée un échec cuisant pour le candidat Ousmane Sonko. Ils ont dépensé énormément d'argent. Parce que même si nous sommes des militants, en réalité, dans leur cœur, il y a le candidat Ousmane Sonko. Les gars, ils sont en Birmi. Moi, je suis un militant qui est en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Avion Sangomar, je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Mais il n'est plus à Ziguinchor. Vous savez bien que ce meeting, ndax mom suñu frère ak suñu sœur yi def politique Casamance yépp dem na len dajawé fexé ba ñi mu transimolé len ñi mu jox len ay nomination uniquement pour contrer la percée fulgurante de Ousmane Sonko en Casamance. Et malgré tout ça, le résultat se passe de commentaire. Nous sommes en train de faire des choses.
Parce que nous, on est en mission pour le Sénégal. On est en mission pour l'Afrique. Cette mission, c'est une mission de libération nationale. Moi, j'ai une fille. Vous avez dans des missions évangéliques. Ce n'est pas que ce n'est pas que dans des missions évangéliques. La femme, oui, vous donne, oui. Vous dites, oh, 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 merci beaucoup. Nous sommes en mission pour l'Afrique, nous sommes en mission pour le Sénégal. Nous sommes en mission pour libérer ce pays de la malgouvernance, de la corruption, du clanisme, de l'ethnicisme, de l'incompétence et du complexe vis-à-vis de l'étranger. Je veux enseigner sur un point. Hier, nous avons à Mbour marqué une minute de silence à la mémoire des premières victimes. En vie humaine, je veux dire, parce que les victimes, en termes de blessures, ça a commencé bien avant la campagne et nous-mêmes, on a été les premières victimes. Aujourd'hui, on nous apprend qu'il y a encore eu mort d'homme à Tambacounda. Nous sommes tous les gens qui sont massés. Mais je veux dire aux Sénégalais que le seul responsable de cette violence, c'est Macky Sall et Benoît Boutiakha. Depuis deux jours ou trois jours, on lui lance un avertissement. Nous voulons que les autorités et les régulateurs sociaux de ce pays arrêtent Macky Sall et son Benno Bokyakar avant qu'il ne soit trop tard. Parce que j'ai dit à Macky Sall, nous n'y sommes que pour jeunesse fou et notre jeunesse est une jeunesse saine. Ce n'est pas une jeunesse qui fonctionne à 2500 ou 5000 francs. Et c'est une jeunesse qui a les moyens de se défendre. S'il continue comme ça, nous lancerons un appel à tous les candidats de l'opposition de mutualiser leurs forces, de mobiliser toute leur jeunesse, de fournir les crédits qui vivent au Sénégal, région Bounimoutinek, et on leur démontrera qu'ils sont en minorité dans ce pays. Le Tikiri peut dire avant qu'il ne soit trop tard. Le Tikiri peut aller avant qu'il soit trop tard. Et notre armée, notre police et notre gendarmerie, qui sont des forces républicaines, nous les instrumentaliser, nous les bougez-bougez, nous les ramener sur Yon Neouti. Ils sont là pour tous les Sénégalais, ils sont là pour tous les citoyens, mais s'ils ne peuvent pas s'interposer, nous sommes neutres et on verra que Macky Sall est qui veut garantir le Sénégal. Après cela, je voudrais demander au candidat Macky Sall de présenter ses excuses à la Casamance.
Parce que voilà un homme qui a été pendant 7 ans. Nous nous avons fait un bilan en ce qui concerne la Casamance. Et il n'a montré aucun égard vis-à-vis de la Casamance. La dernière fois, quand 13 jeunes ont été assassinés, il n'a même pas daigné se déplacer pour venir à Casamance et se solidariser avec les populations casamancaises. Pourtant, il avait pris notre avion, notre kérosène, pour aller jusqu'à Paris pour se solidariser lorsque les journalistes ont été assassinés. Cet homme-là, s'il vous dit que la Casamance est une préoccupation pour lui, est-ce que Dingen Kogum? Donc, nous les bug. Je vais vous dire le message, la première partie du message que je veux délivrer à la Casamance ici. La seconde, je la délivrerai lors du meeting de Bindiouana demain. Le message que je veux vous. Nous avons beaucoup d'ambition pour la Casamance. Nous avons beaucoup d'ambition pour tout le Sénégal. Dans notre programme, on vous a parlé des pôles régionaux intégrés de développement. Nous devons dire que Casamance, ça doit être une seule et même région de Diogé à Gulumbu. Nous ne pouvons pas accepter qu'on casse la Casamance en trois régions. Et ces trois régions sont parmi les trois les plus pauvres du Sénégal. Malgré les énormes capacités économiques de la région naturelle de Casamance, c'est-à-dire Kolda, Sédiou et Ziguinchor, nous avons un potentiel économique du Sénégal et pourtant nous avons le plus fort taux de pauvreté au Sénégal. Il y a 60% de taux de pauvreté à Ziguinchor. Et il y en a 65,7% à Kolda. Kolda moi premier, c'est du deuxième, Ziguinchor troisième en termes de pauvreté. Et pourtant, Macky Sall vous dit qu'il a beaucoup investi en Casamance. L'Imalani Wahmi, c'est les chiffres de l'ANSD. Ce n'est pas des chiffres de Ousmane Sonko, c'est des chiffres officiels des agences de l'État du Sénégal. Nous, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'argent pour nous repartir Casamance, soi-disant, parce que personne ne sait où est passé cet argent. Depuis qu'on est enfant, on a entendu parler de Derbak, on a entendu parler de Somivak, de Pidak. Peut-être que beaucoup de jeunes ne savent pas ce qu'ils ont fait, on connaissait ces projets-là. Après, on a entendu parler de projets de Paderka, de PPDC. Et pourtant, nous sommes la région la plus pauvre, l'une des plus pauvres du Sénégal. Nous n'avons que le projet qu'on a pour la région, le pôle naturel, le pôle de développement naturel de Casamance, c'est on vous propose le développement économique comme facteur de paix. Parce que cette région a assez souffert de la situation. Nous avons tous grandi avec cette situation de ni guerre ni paix, avec cette situation d'insécurité, et il est temps que ça cesse définitivement. Ce que nous proposons à la Casamance, c'est le développement économique comme facteur de paix. C'est pourquoi nous allons changer, nous, le paradigme de développement sur la Casamance. Parce que contrairement à tout ce qui a été dit, la Casamance n'est pas une région périphérique. Hamdane Nyobre comme le Casamance, la Casamance est une périphérie. C'est totalement faux. La Casamance est le centre du Sénégal. Mais pour que la Casamance devienne réellement le centre du Sénégal, il faut qu'on arrête de penser le développement de la Casamance à partir de Dakar, mais qu'on pense le développement de la Casamance comme porte d'entrée vers la CEDEAO. Parce que Casamance naturelle, c'est à mi-chemin où c'est entre trois autres pays, Gambie-Migifi,
Guinée-Bissau mi ngi fi Guinée-Conakry mi ngi fi te sont prolongés vers Tambacounda qui a accès directement au Mali. Mais bonne région mon potentiel qu'une région qui a ce positionnement géographique. Donc nous allons continuer de penser le développement de la Casamance à partir de Dakar. Comme on ne peut pas continuer à penser le développement de la région du fleuve à partir de Dakar, parce que la région du fleuve doit nous permettre d'avoir l'ouverture vers la Mauritanie. Et c'est pourquoi nous disons que la Casamance, soudain nous sommes tous dans le CDAO, la Casamance doit être le centre du Sénégal. Comment on va procéder pour que la Casamance soit le centre du Sénégal? Moi, la Casamance doit être un trait d'union entre tous ces pays que je viens d'énumérer. Et nous vous proposons maintenant des solutions pour le développement. Les solutions qui permettront à la Casamance de jouer ce rôle. Vous savez très bien que, avant de gagner le programme, Cheikh Tidiane Diaye vous a dit que vous avez le meilleur programme, vous avez le meilleur candidat. Et c'est la vérité, vous avez le meilleur programme, mais vous avez le meilleur candidat. Et c'est parce que nous avons le meilleur programme et le meilleur candidat que nous avons dit que nous sommes prêts à débattre dès le premier tour avec tous les candidats. Nous pouvons avec Sénégalais, nous savons qui est qui. Parce que Théorie Biberinole. Mais quand nous serons face à face, les Sénégalais sauront qui est qui. Les solutions que nous vous proposons, la première, c'est de faire de la région naturelle de la Casamance un véritable hub commercial et financier régional. Comment le faire? Le premier, c'est que le port de Ziguinchor sera élevé au niveau des standards internationaux et des infrastructures routières de qualité. Les gars, ici le port de Ziguinchor, vous ne pouvez pas savoir la valeur économique et sociale de ce port. Il y a 4 ans, ils ont dit qu'ils ont mis beaucoup de milliards pour draguer le port. Ils n'ont rien fait, l'argent a été détourné. La deuxième chose, c'est que les marchés seront modernisés et réorganisés afin de servir de lieu d'affaires dans les pays limitrophes. Nous avons des marchés au Khamne. Si vous avez le marché de Kaouberek, vous avez le premier Lumba pratiquement dans la sous-région. Ce marché-là, vous pouvez moderniser. Gambiens, Guinéens, peut-être même Maliens, le potentiel économique de ce marché est inimaginable. Nous avons comme un grand marché pour fondre, nous avons comme un saquette. Nous avons comme ambition, et ce n'est pas le seul marché hebdomadaire, mais même les marchés permanents, on va les moderniser pour qu'ils jouent ce rôle-là à l'intérieur de la Casamance pour la CEDEAO. L'autre élément, c'est de faire de Ziguinchor un centre d'excellence pour l'éducation et la santé. On nous a dit qu'on a une université ici. Mais tout le monde sait que l'université Hassane Seck. Mais est-ce que l'université Guignard vous certainez ou pas? L'université Bohamne, depuis 2012, vous avez dit un amphithéâtre dans le Montchine. 2012, vous avez dit. Ça, c'est pas une université. C'est un lycée. Ou même moins qu'un lycée, c'est un collège. C'est pas digne d'une université. Et nous voulons faire de cette université-là une très grande université sous-régionale et une université d'excellence pour que les étudiants puissent venir de partout, pas seulement à la Casamance, mais au Bidjan Missiki. Nous voulons le développement d'une offre médicale de qualité grâce à la faculté de médecine de l'université Hassane Seck de Ziguinchor. Nous voulons le développement du tourisme médical grâce à l'utilisation des potentialités du Cap Skirring pour orienter les touristes vers ces services lors de leurs vacances. Nous voulons réorienter l'offre de formation de l'université de Ziguinchor vers les besoins des 3 pays et le développement d'une offre d'enseignement supérieur privé et qui peuvent faciliter le séjour d'étudiants gambiens, bissau-guinéens et d'autres pays africains pour que Ziguinchor soit un pôle et un hub universitaire. Nous voulons aussi redonner à Ziguinchor ou la région naturelle de Casamance
mettre sa place dans le tourisme. Le potentiel qu'on a ici en tourisme, amul fen. Parce que amna zone yo xamné amna ñu potentialité, potentiel tourisme bari. Mais ci plage yam ak ci culture. Nous avons les plages de Cap Sigirine, de Abéné, de Kafountine, etc. sont les plus belles plages du monde, je ne dis même pas de l'Afrique. Nous avons une diversité culturelle que vous ne verrez nulle part ailleurs. Quand les Diola font le rythme, ngéné ñi rek la. Quand les Mandeng le font, ngéné ñi rek la. Quand c'est les Manka, ngéné ñi rek la. Quand c'est les Wolof, ngéné ñi rek la. Quand c'est les Sénère, parce que Ziguinchor est un melting pot où on retrouve tout le Sénégal en miniature. Mais en plus de cela, amnañu lu gaay amul moy gaay suñu foré yi mais amul foré bu ko dakk ci aduna. Donc le potentiel touristique que nous avons donc fait fenn et ce potentiel touristique là nous voulons le développer en jouant sur la beauté naturelle, sur les richesses culturelles de la Casamance. Dañu bëgg ñun que le Cap Skirring bi ñëri gis ni dañu bëgg li nga xamné Indonésie Bali loolu la fa représenter. Vous avez tous entendu parler de Bali. Li nga xamné Maroc, Marrakech loolu la fa représenter. Nous voulons que Cap Skirring représente cela pour non pas pour le Sénégal mais pour l'Afrique. Nous voulons également bâtir un véritable pôle de transformation agro-industrielle. Xam ngeen ni nous avons un potentiel énorme mais tant que duñ ko transformer fi devenant possible. Parce que les gens viennent ici prendre tout ce que nous avons, yobou ko parce que nous n'avons pas des usines pour les transformer ici. Ce que nous voulons, c'est que les nombreuses filières agricoles et halieutiques, fi amnañ fi mango, amnañ fi kaba. Kaba moy madde pour suñu mbokk nord bi. Amnañ fi tol, muy tol forox, muy tol sucré. Ñun am nañ fi bouy ak bisap, am nañ fi sigisay. Man dama nam sigisay sax dañ na lek sigisay. Monsieur Boy, est ce que xam nga li sigisay? Il faut ngeen ñamal sama délégation bi sigisay. Dar sen me nga xamne mom Djourbel la dëkk. Djourbel simp mo fa am ak sa dem. Xamna di bëgg ko joxon Sigisay légui mu takk jabar Casamance tok fi. Ñun am nañu Kour Dieng-Dieng. Ñun am nañu Koutou Boro. Ñun am nañu Gerte Mankagne. Waxuma la nak les fruits muy banane, muy orange, muy benen ak benen. Wa lolu fan la am Sénégal. Il n'y en a nulle part au Sénégal. La Casamance est une bénédiction divine pour le Sénégal. Mais l'idée de ce qu'on a fait, de ce qu'on a transformé au Sénégal, ça ne sert à absolument rien parce que les gens viennent prendre ça, ils amènent chez eux, ils transforment des côtés et canettes, ils ont dit beaucoup plus cher. Voilà, nous disons qu'il y a industrie pharmaceutique, des côtés et garab, ils ont dit boîtes 5000, 10000. Alors que nous avons fait 500 kg. Nous avons dit que la meilleure filière, le meilleur atout pour la Casamance, pour nous industrialiser rapidement la Casamance, c'est la filière de l'anacarde. Moi, coucou, vie. Voilà ça, nous avons dit pour les Sénégalais. Nous avons dit que nous avons coucou. Nous avons dit que les Sénégalais ont dit que nous avons dit que nous avons coucou. Nous avons dit lélé Dakar sumay daw sama auto gis gaay di jaay kuku mané chauffeur bi taxawal waccel vitre bi jëndal ba kuku way dana lan moy kuku salu darka sé nak fi la fekk bax mais ñun on a gagné rien pratiquement rien ci salu darka sé j'ai pitié de nos sœurs et de nos mamans ñu leni utiliser toute la journée dans des conditions difficiles ñuy jël kuku bi diko def ci sagi muy yak sen loxoy pour ay 100 francs par jour par sac. C'est pas normal.
Nous avons, nous, un projet pour industrialiser le Sénégal. Voilà, les Vietnamiens sont venus ici. Voilà, les Indiens sont venus ici. Ils sont venus ici. Ils sont venus ici. Nous mettrons ici des usines, de petites unités industrielles, parce que nous avons vu au Vietnam. Docteur Cheikh Tidiane Diaye, vous savez, dans le développement des travailleurs, nous avons vu au Vietnam, vous savez, une unité industrielle pour nous pour transformer Darkassé d'y employer 1000 agents, 1000 personnes. Imaginez si on transformait ici, il n'y aurait plus de chômage dans la jeunesse casamançaise. Nous allons mettre ici des usines. Et si je vous dis que nous le ferons, vous savez que nous le ferons parce que nous, tout ce qu'on dit, on va le faire, Inch'Allah. Nous voulons également. Pour terminer, je vais vous proposer quelques mesures. Yohanné, c'est des mesures urgentes et c'est des mesures structurantes. Si nous sommes élus, et je sais qu'on sera élus, Inch'Allah, je sais que, Inch'Allah, on sera élus au soir du 24. Quand ce sera fait, de faire une mesure qui est temps, une mesure qui est urgent. Il y a des mesures urgentes et structurantes pour développer rapidement le Sénégal, mais développer rapidement la Casamance, qui sera un pôle économique. Et je crois que ce sera le pôle économique le plus fort, le plus solide et le plus puissant du Sénégal. C'est la reconstruction du pont Émile Bayan. Nous, nous avons une seconde tragédie Diola pour dire que, c'est que la situation de ce pont Émile Bayan est une situation calamiteuse. Balan Dion Diel a un milliard de train, 1200 milliards, un train sur 37 km. Il fallait réhabiliter, faire tomber ce pont et nous faire un pont flambant neuf pour la sécurité des Sénégalais qui passent par là. Parce que si on connaît fait, d'un coup raccordé à un corridor régional Dakar, Banjul, Bissau, Conakry, Abidjan, Lagos, pour que nous puissions une fluidité du transport et une fluidité du commerce. La deuxième mesure, moi, aéroport Ziguin Chorbi, fille d'autres places. Nous allons délocaliser cet aéroport. Parce que l'aéroport, quand on mettait ça ici, Ziguin Chor fille Yémon pratiquement HLM Nema, cité Biagi. Aujourd'hui, Ziguin Chor a cerclé l'aéroport. Cet aéroport est devenu exigu et c'est un danger pour les populations, c'est un danger pour le transport aérien. Nous allons délocaliser cet aéroport vers Tobor avec le site actuel qui est entre un hôpital. Parce que cet actuellement, il est situé entre un hôpital, un lycée, une université et plusieurs écoles primaires, ce qui est un danger pour les populations. Si on est élu, nous allons construire, je ne dis pas reconstruire, nous allons construire l'université Hassan Seck. Parce que l'île, ce n'est pas une université. Si nous sommes élus, nous allons reconstruire et moderniser le port de Ziguin Chor, acculé à la Chambre de commerce et des métiers, pour que le port de Ziguin Chor soit un très grand pôle pour le développement de la sous-région et de la Casamance. Enfin,